mon père c'était putain de dinosaure. Des triceratops, ce triceratops sont en voie de disparition. Et mon compte Twitter, c'est une pute ma lumière. Yo les gens, salut à tous, yassalam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu explication. Parce qu'aujourd'hui les frères, je voulais tout simplement vous dire, retenez bien cette pièce. Donc là, comme vous le savez tous, c'est le setup Akili. D'accord. Kenny ? C'est pas un format, c'est quoi ce bordel ? Putain, qu'est-ce qu'il m'a fait lui ? Vas-y, sors de là, je sais que t'es là, putain, allez, ça rien, sort. Oh ! Putain. Oh ! Putain, mais il est où ? Ah ! Wesh ! Oh ! Starfallah, dis-moi pas qu'il est dans la machine lui ! Putain, j'ai flippé. Starfallah, mais pourquoi il m'a sorti ça de là, lui? Starfallah, c'était quoi ce bruit? Mais c'est pas possible, il est pas derrière. C'est impossible. A'oudou billahi minash shaitani rajim. Dis-moi pas qu'il est dedans. Starfallah. Staghfirullah. Mais tu fais quoi dedans là? Quoi? Attends. Mais c'est les gâteaux de ma soeur ça? Attends. Attends, je vais te poser une question. Là, t'es en train de faire le ramadan là? Attends. Il y a 70 pièces, il y a 70 endroits, il faut que je te trouve là-dedans. Mais non, mais c'est chaud. Pourquoi tu t'es caché dedans? Explique-moi juste pourquoi. Parce que Dieu ne voit pas. Parce que Dieu, il voit pas? Mais il n'a jamais faim, il n'a pas dans le frigo. Quoi? Il n'a jamais faim, il n'a pas dans le frigo. Dieu, il n'a jamais faim, il vient jamais dans le frigo? Mais il te voit, quoi, que tu fasses? Mais je suis dans le frigo, je suis dans le noir, mais moi, je voyais pas ce que je mangeais. Putain, mais t'es... Mais c'est quoi ton... T'as quoi dans la tête, Kenny? Moi, je vois pas ce que je mange. Attends, mais qu'est-ce que... En plus, tu rentres dans le frigo, mec! Comment t'as fait pour rentrer dedans? Si moi, je vois pas que je mange, parce que je suis dans le frigo... Attends, mais regarde, comment t'as fait pour rentrer dedans? Je suis rentré. Mais écoute-moi, si moi, je vois pas que je mange, du coup, moi-même, je sais pas que j'ai mangé. Attends, j'ai du mal à y croire, attends. Comment t'as fait pour rentrer dedans? C'est pas possible! Attends, mais Kenny, mais tu... Mais tu m'avais promis que... Tu m'avais promis que t'allais faire le ramadan. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Mais je suis en train de le faire. Là, t'es en train de le faire, là. Là, aux yeux de Dieu, t'es en train de le faire. Il me voit pas. D'accord, bon, je vais te poser une dernière question. Là, t'es en train de faire le ramadan, là. T'es sûr? Putain, a'oudou billahi minash shaitani rajim. Mais c'est grave, ça, regarde. Comment t'as rentré ton corps dedans? C'est impossible avec ton corps de lâche, là. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim. Là, mais t'es un démon. Comment t'as fait pour rentrer ton corps dedans? Même un bébé, limite, un enfant, rentre pas dedans. T'as plié ta colonne vertébrale ou quoi? Ouais. T'as pas mal. Astaghfirullah. Tu fais péfli, mec. Vas-y, reste dedans, reste. Ta tête, là. C'est quoi ce truc là? Ah, chétan, j'ai jamais vu ça moi. Ça t'amuse de faire des trucs comme ça, Kenny? Eh, écoute, que tu veux manger, c'est une chose. Mange comme tout le monde. Va sur une table. Va me voir sur une table. Peut-être qu'il mange à côté de moi sur un tabouret. Parce que peut-être qu'il mange à côté de toi sur un tabouret. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah ya Rabbi. Allez hop. Allez, je me barre d'ici moi. Mais c'est trop, c'est quoi ce bordel? J'avais vu ça de ma vie, moi. Ya Rabbi, smahli, ya Rabbi. Astaghfirullah al-Azim, astaghfirullah. Attends, mais c'est pas possible. Attends, c'est pas possible. Comment... J'arrive pas à y croire. Comment t'as fait pour entrer ce corps dedans, là? C'est qui t'a aidé à grimper, déjà? Personne.
C'est Gollum. Mais c'est Chokini la vie d'homme. Non, mais, non, non, je savais que t'étais taré, hein. Ça, c'est pas une surprise. Sans tout le monde, tu sais. Mais là, à ce point. Et une chose, là. Une chose. Là, pour toi, au fond de toi, ta foi. Là, t'es en train de faire le ramadan. C'est sûr. Aux yeux de Dieu, aux yeux de l'islam, tu fais le ramadan, là. Allez, moi, j'en ai fini. Allez, je vais me coucher. Quoi? T'as dit quoi? Tu veux que je fasse quoi? Tu toques quand t'ouvres. Pourquoi? Bah c'est une porte donc tu toques. Attends, on va jouer le jeu, tiens. C'est qui? C'est moi. C'est qui moi? Jawed. Entrez. Et là t'es sérieux hein, en plus en faisant ça? Oui. C'est incroyable. Attends, à moi de toquer pour rentrer dehors, vas-y, et toi tu dis c'est qui? Ouais, c'est qui? Hein? Tostes? Allez, dégage. Hey, c'est trop, voilà que c'est trop. C'est pas possible, il est pas humain ce mec là. Achète-en, il y a un double là. Allez, de barouette. Je parle plus, moi. Achète-en. En train de gueuler sa race. Gueule, ta race, gueule. Putain, vas-y, gueule. Ah, t'es en train de gueuler là. Mais tu vas le péter le frigo! Je peux rentrer? Rentrer où? T'as pas toqué en plus, pas avec moi. Allez, alors, j'arrête tout. Yo les gens, salut à tous, yassalam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais tout simplement vous expliquer quelque chose par rapport à ce qui va se passer dans ma chambre. Donc comme vous avez pu le constater, l'écran est déjà, vous avez vu. Donc, changement d'emplacement par rapport au lit. Là. Kenny? Oui. Ça va? Oui. T'arrêtes pas, c'est bon. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Putain, qu'est-ce que tu fais dans la douche? J'ai cru. Oh, il a foutu toutes ces affaires-là. Il abuse. What? Tu fais quoi là-haut là? Attends. Là, t'es en train de faire le ramadan là. Là, attends. Je t'en repose une dernière fois. Là, t'es en train de faire le ramadan. Mais comment t'as fait pour t'agripper comme un hibou là? On dirait un hibou. J'ai sauté. Attends, hey, aucun corps, hey, même un corps d'un enfant, ça rentrerait pas dedans. Putain, mais c'est pas croyable. Là, tu manges quoi, là? Hein? Mais c'est ouf comment tu te plies. Alors, qu'est-ce que tu manges? Ah, c'est abusé, mon frère. Oh, il est 4h45 du matin, là. Eh, normalement, on arrête déjà de manger, Kenny. Hein. Je m'en fous, je fais le ramadan. Là, pour toi, là, tu fais le ramadan, là. C'est sûr, hein. Là, aux yeux de Dieu, c'est autorisé. Astaghfirullah ya Rabbi. Oh là, j'en ai vu déjà. Putain, en plus, tu manges bien. Vas-y, fais-toi plaisir. Putain. J'ai jamais vu ça de ma vie, là. Là, t'es en train de faire le ramadan, là. Laïstar. Tu manges quoi, des nouilles? Kenny, pourquoi tu fais des trucs comme ça? De quoi? Pourquoi tu... Regarde, ce que je comprends pas, c'est que, regarde, t'as une table. Je m'en fous de la table, moi je veux être plié. T'aimes bien être plié, hein. Mais c'est un truc de malade, tu m'as foutu le bordel. Toutes tes affaires par terre. Mais c'est un truc de dingue, hein. Tu te régales, hein. Hein? Putain. J'en ai vu des spécimens, bordel de merde, mais... C'est quoi ça, ce bruit que tu fais là? C'est pour refroidir mes pattes. Là, t'es en train de refroidir tes pattes là. Un petit coup en mitraillette.
Feister. Oh, comment t'es plié, mon gars, mais j'aime. Quelqu'un fait ça, il se casse une colonne vertébrale. Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Là, il est 4h40, il doit 4h50. Mais là, t'es en train de faire le ramadan là. Oh. C'est sûr, hein. Putain. Mais c'est chaud ça quand même. Non. Non, c'est pas chaud. Ça, c'est chaud, mais pas ce que je veux. Regarde comment t'as grippé, mec. Alhamdoulilah. Putain. T'as tout mangé? C'était bon? Putain. Mais c'est quand que tu vas vraiment faire le ramadan? Ben, je l'ai toujours fait. Tu as toujours fait, ouais. Putain. Mais c'est chaud quand même. On veut? Non, merci. Ah putain! Ah! Ça mouille. Ah, mais en plus, ça pique surtout. Ta tête là, mais non, c'est affreux. Regarde cette tête! Ah putain! C'est pour purifier mon bol. T'as dit quoi? C'est pour purifier mon bol. Putain, tu te régales bien. Hein? Sahaf Torek. Sahaf Torek. Non, c'est pas Sahaf Tariq. C'est Sahaf Torek. Sahaf Torek. C'est incroyable. T'en veux? Non, merci. Bon appétit, mange. Mange sans moi. Ça ira pour moi. T'en veux? Non. Tu veux que je te mouille, attends. Non, dégage, arrête. Allez, vas-y, je te laisse, ça va demeurer, va. Putain. Merci. Yo les gens, salut à tous, c'est Assalam mon frère et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui j'espère vous fera plaisir. Ça fait vraiment super longtemps que vous attendiez ça. Ça fait pratiquement un an. Le retour du ramadan justement. Et d'ailleurs par rapport à ça, je veux tout simplement vous souhaiter à tous... Je reviens. C'est impossible, mais d'accord. Non, je vois pas qu'il est dedans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Attends Non, ça sert à rien de cacher le paquet de chips. Ça sert à rien. C'est pas toi qui m'as dit, ouais, c'est bon, là, pour le nouveau départ, pour ce nouvel appartement, je vais faire le ramadan. Et je peux savoir qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu manges, il n'est pas l'heure. Regarde, il fait encore jour. C'est pour une émission télé. Comment c'est? Déjà, qu'est-ce que tu fous? Déjà, d'une pour commencer. Qu'est-ce que tu fous dans un carton de télé? Allez! C'est pour une émission télé. Pour commencer, une émission télé. Comme ça, Dieu, s'il voit que je rate le ramadan, il croirait que c'est une émission pré-enregistrée. Il croirait que je l'ai fait à l'heure parce qu'elle sera diffusée tard. Moi, je sais pas quoi te faire. Là, c'est soit. Ah, mais c'est grave. C'est grave, les gens ils font le ramadan, Kenny, toi t'es là, t'es... Non mais Kenny, ça sert à rien de te cacher là, Kenny, mais il voit tout. Même si t'es... Là, je vais te poser une question. Là pour toi, là, tu vois là, déjà force c'est des chips à la quoi? Des Pringles, ok? Là pour toi, il passe le ramadan. Là pour toi, c'est validé. D'accord. Donc là, aux yeux de Dieu, ça passe quoi? C'est pour éloigner les créatures de l'enfer. Parce que les chips à l'oignon, ça fait peur aux vampires. Et là, Zama, comme ça, Kenny, une question encore. Là, tu crois comme ça, tu vas trouver ta halal.
Mais là, mais attends, mais Kenny, tu sais que l'heure c'est 22h15 à 22h30 pour manger. Il est 18h là. Si on publie la vidéo après 22h30, tu croiras que j'ai fait un ramadan. Putain. Mais c'est chaud là, c'est. Oh, hey, écoute, hey, ça sert à rien. Non, mais il passe pas. Tape un câble là. Regarde ça, c'est carrément ça, Star. Vas-y, je t'aide, vas-y. Ah, je crois qu'on va couper là, c'est trop là. Attends, non, pour de vrai, je vais t'aider. Allez, go, voilà. Je voulais dire quoi déjà? Ah oui, tape un code là. Tu veux que je tape un code où? Ici. Fais semblant de taper un code. Tchouk. J'ai jeune, moi je veux pas. Tu montes à la caméra, on verra pas. Ah oui, c'est vrai ce que c'est. Attends, je la prends. En plus, je me suis même pas valé les mains, je me suis gratté les couilles. Non, je rigole, c'est pas vrai. On a un peu du mal avec toi. Voilà, Kenny, ton ramadan, il repasse. Eh, pour le premier jour, il passe pas ton ramadan. Non, mais pour de vrai, il passe pas, Kenny. Sur ce, Kenny. Non, mais vraiment, il passe pas, ça sert à rien. Tu peux... Oh, Kenny, bunker, égout, ce que tu veux, même dans un coffre-fort, avec du métal, ce que tu veux, il voit tout, Ray. Sauf dans ton ventre. Dans ton ventre, tout ce qui passe, personne voit. C'est Kiki, à la fraîche. À la peau fraîche, mais à la peau fraîche. La frigo et la mine. Yo les gens, salut à tous, c'est Asamox mes frères, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le 5e jour de Ramadan. Et aujourd'hui je voulais tout simplement vous faire un plaisir du sens où c'est fini. Non, pour de ça, Kenny m'a vraiment promis que le Ramadan maintenant c'est pour de vrai. Non, il me l'a promis, il me l'a juré sur toute sa famille que c'est fini. Maintenant c'est du sérieux et maintenant c'est place au Ramadan, place à la salade, place au... Place à la prière, place à tout, place à la foi. Ah, oh, double l'air, mais la chétane, j'ai 2 secondes, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe là? Les chiottes, c'est impossible. Ok, je vais pas me faire cuire des poissons panés. Starfallah, je t'en débrouille là. Putain de bordel de merde. Yarbe, c'est pas dans ma chambre. Yarbe, c'est pas. Yarbe. Ah, Alhamdulillah, c'est pas dans ma chambre. Alhamdulillah, c'est pas ici. Alhamdulillah, c'est pas dans la douche. Alhamdulillah. Kenny? Tu mens pas qu'il est là. Alhamdulillah. Non. 1, 2, 3. Yarbi alamin. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Il est pas dedans. Non. 1, 2, 3. Yarbi alamin. Il est pas dedans. Yarbi alamin. Yarbi. Yarb. Non, c'est bon, il est pas dedans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جحلف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ça sert à rien والله tableau de Paris vas-y donne Hamburg Kenny Hamburg avec tout le respect que j'ai pour toi dis-moi comment t'as fait pour t'accroupir dans un 30 cm carrés.
J'ai pété, du coup, mon corps, il a plané. Ça va propulser comme un jetpack. C'est quoi qui est petit derrière ton cul? J'ai mal au ventre. S'il te plaît. Vas-y, fais montrer. Non, je m'en fous de ça. Là, derrière, il y a un truc, gars. Attends, je regarde. Il y a rien, Jawad. Oh, là, il y a rien. Là, il y a rien, là. Kenny, je l'ai vu. Je l'ai vu, Kenny. Je vais te poser une simple question. Non, mais on s'en fout de ce qui se passe dans la télé, on s'en fout. La télé, ça ne nous regarde pas. Là, t'es en train de faire le ramadan. Là, au nom de Dieu, ça là, les lays au fromage, au nom de Dieu, ça passe. C'est certitude. Parce qu'il les adore. Quoi? Parce que Dieu les adore. Parce que Dieu les adore. Les adore. Pourquoi? Parce que Dieu les adore. Parce que Dieu les quoi? Parce que Dieu les adore. Les adore. Il les adore. Jeu de mots, les adore. Non, moi je peux pas rigoler par contre. Il t'a pas vu? Non. Là, tu crois là qu'un compris, accroupi comme un. Là, attends, ça, regarde. Parce que tu vois, je suis dans les toilettes. Là, il te voit pas là. Parce que je suis dans les toilettes. Et Dieu, c'est pas un pédophile, c'est un homme bon, c'est un homme bien. Il regarde pas les gens tout. Ya Rabbi Alamin, Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah. Ya Rabbi Alamin. A'oudou billah min ash-shaytan ar-rajim. A'oudou billah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله يا ربي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق الله العظيم والله حتى الجنون انفير تو العالم الزمن بقى وتقحب والله ايه تاع الجنون تاع ايه تاع الديابل انفير تو ايه تاع الديابل ان تو لا Pour les coumes. Mange. Là, ça passe là. Dieu, il regarde pas les gens dans les toilettes. C'est un lieu d'intimité. Tu crois que Dieu, il te regarde faire l'amour avec ta femme? Bah non, parce que c'est pas bien de faire ça. Dieu, c'est un homme bon. Il laisse les gens faire leur amour d'intimité. Imagine, j'ai en train de faire quelque chose. A'oudou billah min ash-shaytan ar-rajim. Yallah, bislam. Yo les gens, salut à tous, assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo en personne où je tenais tout simplement à vous faire part un peu justement de la nouvelle en ce qui concerne la cuisine. Donc normalement, elle va arriver aujourd'hui, j'ai pas eu encore de nouvelles par rapport justement aux personnes qui doivent me la fournir. Mais quoi qu'il arrive, dès que je l'ai, je vous tiens au jus pour que vous puissiez... Kenny ? Ah, j'ai pas confiance. Putain, j'ai pas confiance, il est où, lui? Ah, sort de la chambre, ça sert à rien, je sais pas, je change de technique, mon gars, c'est bon. Oh non. Ah, d'accord, allez. Putain, mais... Oh! Oh, t'es où, là? Non... Mais non! A'oudou billah min ash-shaytan ar-rajim. Astaghfirullah 20 fois. Ta colonne vertébrale qui ressort là. Fou, sale créature, moi. Toi, tu fais le ramadan, toi? Regarde-moi ça, regarde comment t'es plié. Tu fais de la plaie ou quoi? N'achetan. A'oudou billah min ash-shaytan ar-rajim. N'achetan, khouya, n'achetan. Agoul n'achetan, goul. Didi, n'achetan, khouya, n'achetan. Putain. Non, mais c'est chaud, c'est chaud. Tu fous quoi avec une compote sous l'eau? Attends, ça va être super simple. Là, t'es en train de faire le ramadan, là. Ah, double, je t'en ai. Mais pourquoi tu manges sous l'eau?
Parce que Dieu regarde pas les poissons. Parce que Dieu regarde pas les poissons. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Toi, tu veux le ramadan, toi? Là, le fait d'être sous l'eau, Dieu t'a pas vu. Dieu t'a pas vu, là. Là, c'est sûr, là. Là, t'es en règle avec le Seigneur. C'est quoi ce spécimen? Regarde ton corps, comment il se plie. Moi, je fais ça, ma colonne vertébrale, elle se casse. Astaghfirullah ya Rab. Pourquoi il y a de la chantilly dans ma compote? Pourquoi il y a de la chantilly? Mais c'est de la mousse! Là, depuis tout à l'heure, t'as avalé de la mousse! Putain, mais c'est pas possible! Regarde ta tête là, tu ressembles à rien! Putain. Là, t'es en règle là! C'est sûr, hein? Toi, c'est sûr, ta place est au paradis! C'est sûr et certain! On a bazar avec le choué, moi je sais plus quoi faire. Les gens ils mangent sur une table, ils mangent en famille, ils mangent au pire sur une table basse. Pourquoi? Tu veux que je te fasse une place pour manger? De quoi? Tu veux que je te fasse une place pour manger? Une place? Ah non, merci, Khay. Je t'ai prévu une compote. Une compote? Kenny, tu peux pas te dire au plus profond toi, même si je me cache dans un fin fond de grotte, Dieu me verra pas. Il te voit. Mais là je mange proprement. Putain, mais pourquoi? Là tu manges proprement. T'as mangé ta compote avec de la mousse et tu manges proprement. Comme ça ma mousse, ma compote elle est propre. Je comme ça elle est lavée. Attends, fais voir, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi ce... Vas-y, c'est gênant. Mais c'est quoi ce corps? Là, comme ça, t'es en train de faire le ramadan, là. C'est sûr, hein? T'es en règle avec le Seigneur. T'as mon gars, quand t'es sorti de l'autre, j'ai l'impression d'avoir les... Tu sais, les grands monstres à pattes géantes, là. Monstres et compagnie. Mais c'est chaud, quand même. Mais ta tête, c'est incroyable. Regarde ta tête, regarde. Vas-y, moi, je... Va. Astaghfirullah, Galik. Ah, t'es dégueulasse. Ah, t'es dégueulasse. Vas-y, ah, je me bats. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. A'oudou billahi. Salam les khay, je dois vous proposer la vidéo qui va suivre dans quelques instants. Je tenais quand même à vous remercier par rapport au premier épisode que je vous ai sorti hier du ramadan. Hier c'était plutôt un test qu'autre chose. Un test pourquoi? Parce que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait des vidéos sur le ramadan, etc. Et le retour, on s'est dit, ça se trouve, ils vont oublier, ça se trouve, ils vont pas oublier, etc. Et franchement, pour les premiers retours, on était vraiment super surpris. Et puis voilà. Donc vous inquiétez pas, là c'est juste une petite période test. Là, qui est juste devant moi, ce qui va suivre dans les jours à venir, vous allez voir, c'est du lourd. Et puis voilà. On va faire des choses un peu remix et tout ça. Enfin bref, on va faire des choses qu'on a déjà fait auparavant, mais on a amélioré, et des choses encore plus lourdes, d'accord? Je vous en dis pas plus, bon visionnage et mille merci aux personnes qui contribuent au pouce bleu. Je crois l'autre fois, la première épisode, on a fait 40 000 pouces bleus, un truc comme ça. Et vraiment merci infiniment. Et j'espère que vous serez autant pour ce deuxième épisode à y contribuer. Bon visionnage, en espérant que ça vous fasse passer le time. 55 000 pouces bleus. Donc voilà, un grand merci. On vous aime. Ciao, ciao, les khay. Yo les gens, salut à tous, y'a Salos mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui j'espère vous fera plaisir. Pour ce deuxième jour de ramadan les khay, j'ai décidé de vous faire plaisir, de vous parler de quelque chose qui, comment vous dire, vous fera du bien au cœur, d'accord? Donc déjà avant toute chose, je tenais quand même à vous remercier par rapport au live d'hier, ça s'est vraiment super bien passé. Ah, deux secondes.
Bon, vas-y, voilà. Putain, les gens, ils font couler des bains, sa mère et... Putain. C'est impossible. Hydra, t'as pas vu Kini? Non, je sais pas. Putain. Je t'étonne, frère. Oh, Kini! Astaghfirullah! Comment t'as... T'étais où? Vas-y, hé hey, Kenny, il est 17h, c'est l'heure de préparer le f'tour, là, vas-y, viens. Le f'tour? Ah, staff, allez, c'est bon, allez, c'est... Staghfirullah, là... Kenny, wesh! Oula, coucou, oula, coucou, f'tour, Oula, coucou, oula, coucou, f'tour. Kenny, non, mais attends, Kenny, ça, comment... Attends, non, mais pour de vrai... C'est pour le deuxième jour de Ramadan. Mec, je sais pas comment il a fait pour se cacher dedans. Lève-toi, frère, lève-toi, bordel de merde. Regarde, comment t'as fait pour te glisser dedans? Avec une pompote de pommes. Ouais, ton deuxième jour, il est raté, bordel de merde. Je peux savoir pourquoi tu t'es caché en dessous? Parce que c'est de l'eau des enfers. C'est de l'eau des quoi? L'eau des enfers, du coup, je rate pas mon Ramadan. Parce que Dieu, lui, il accepte que les gens paradis. Je sais plus les gens paradis, du coup je sais pas qui est en enfer. Et comme je sais pas qui est en enfer, bah je regarde pas l'eau de l'enfer. Et comme je regarde pas l'eau de l'enfer, s'il y a quelqu'un dedans, bah je vois pas qu'il ira de son Ramadan. C'est un truc de ouf, moi je mets mon corps dedans. Eh mon gars, tu vois mon ventre. Déjà tu vois mon ventre. Dans l'exorcisme. Ramadan, l'œuf tour, la coucou, la coucou, tout tour. On va te baigner dedans, tu vois. Tu vas fermer ta grande gueule. Oh, ton Ramadan, il passe pas. Ça sert à rien. Astaghfirullah. Non, t'apprendras à fermer ta gueule. Regarde comment t'es poilu, frère. Putain. Oh. Oh. Kenny. Kenny, wesh. Hey, tu me fais flipper. Oh, il me fait flipper, je crois qu'il s'est noyé, mais je me laisse quand même solo. Hey, ton deuxième... Kenny, ton deuxième jour, il passe hop. Oh. Non, non. Arrête, bordel de merde. Putain. Eh non, mais tu nettoies. Ramadan. Un dernier séjour pour que tu te bientes. Allez, voilà. Yeshay. Ça, l'histoire de la pompote de pomme, ça rappelle bien Mante la Jolie. Saison 2. Kenny? Stop! Ça y est, septième jour de Ramadan. Non, je vous jure, non. Il me l'a promis! Ça, il me l'a juré de... qu'il allait le faire. Septième jour, ça y est. On l'a ramené voir un imam, un talib et tout ça. On l'est parti. On l'a ramené chez tous les gens possibles. On l'a même ramené chez des sorciers. Pour qu'ils puissent justement faire enfin le Ramadan. Et on y croit tous. On y croit tous parce que aujourd'hui, on l'a pas vu de la journée. Je reviens. Un petit pouce bleu au passage. Allez, sors de là. Hey, les gars, le panier à linge, c'est pas une option, bordel de merde. Putain. Voilà. Et on sait qu'il n'est pas là. Kenny, ouais, l'armoire, je la vois, Ayam. Lay. Wesh.
Wesh. Oh, sors derrière de la télé, sors. Derrière le... Wesh. Wesh, regarde. Hé, hey, Kenny, te... Vas-y, bref. Hé, hey, toi, mon gars, je vais te faire ramasser tes slips, toi. C'est pas possible. A'oudou billah, minash shaitanir rajim. Wouah. Attends. C'est simple. La question, elle est simple. Elle est aussi simple que bonjour. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Non. Ta question préférée. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec tout cette... Net. Attends, fort à ma droite. Waouh. Là, t'as une... Mais t'allais la manger. T'allais pas la manger, là. Là, t'allais la remettre dedans. Attends, je peux savoir c'est quoi ce festin droit? Sneakers. Twix. Laisse les barres de... T'allais te goinfrer de tout ça, là? Non, c'était pour piéger Dieu. Attends, c'est un... T'as dit quoi? C'était pour piéger Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu vient dans le salon, bah, il va vouloir regarder la télé. Et si il regarde la télé, quelle série il va regarder, ton avis? Netflix. Et s'il regarde Netflix, bah, il va prendre à manger pour regarder la télé. Et du coup, bah, il passe dans le salon, il se dit « Oh tiens, il y a à manger par terre, je prends à manger. » Et comme Dieu, il a faim, bah, il fait pas attention qu'il y a quelqu'un qui est caché dans la bouffe. Du coup, il prend la bouffe, il prend le tour, il se cache sur le canapé. Comme la télé, elle est là-bas en face, il voit pas ce qu'il y a dans son dos. Moi, du coup, je peux manger mes chips tranquillement. Et comme ça, il voit pas que je change. Donc là, astaghfirullah, yarbetsmahla de ce que je vais dire. Là, pour toi, Dieu, en gros, il serait assis là, ici, là, sur le canapé. Il serait de dos, il t'aurait pas vu, c'est ça? Parce que les dieux, ils ont des yeux que dans le visage. Toi, t'as vraiment cru que le bon Dieu, c'était un pote avec qui tu pouvais jouer au foot? C'est pas possible. Mec, c'est... Hey, khouya, c'est plus à manger là, c'est un festin droit que t'as fait. Mais en plus, t'as mis que des sucreries. Tu m'avais... Kenny, tu m'as dit, ouais, le 7e jour, promis, je le fais. Pourquoi tu le fais pas? Juste 24 heures. Le 7e jour, dans l'année, ça représente le dimanche. Et dimanche, c'est le jour du repos. Donc si Dieu regarde pas la télé, ça veut dire qu'il se fait une sieste et il se repose. Dieu, c'est le jour du Seigneur. Le dimanche. Du coup, Dieu, il dort et moi, je peux faire ce que je veux. Il y a 2 ans, Kenny, il y a 2 ans, je te rappelle, je te signale, on t'a retrouvé dans un frigo. On rigole pas parce que le truc. Voilà, je te dis, on t'a retrouvé en dessous du table avec une boîte de nuggets. On t'a retrouvé dans une baignoire avec une pompote de pommes. Oui, mais Dieu dans le frigo, il pouvait pas. Ouais, mais frère, Dieu par-ci, Dieu par-là, Dieu ici, Dieu sur le canapé. Dieu, il marche, il regarde pas en l'air, il regarde pas. Wesh. C'est ce qu'il a fait pour me punir, je crois, parce qu'il m'a vu une seule fois. Pour me punir, il m'a juste donné une meuf qui m'a trompé pendant 2 ans. Toi, mon gars, le paradis, c'est le dernier de tes soucis. Ah ouais. Ah, le paradis, Toi, ton enfer, il sera en mode VIP. Tu sais, un tapis rouge, la Royal Air Maroc. T'sais, première classe business, mon gars, je te jure. Putain. J'en veux pas, frère. Garde l'air. Oh là, mets les doigts dans ton huc. J'en veux pas. C'est pour les rôtis. Pour les rôtis, mec, tu attends, la vie de ma mère, j'ai jeté un coup d'œil au frigo, savoir ce que t'as pris. J'ai fait. En plus, t'as fait les courses hier, bordel! Quoi? Wouah, hé! Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En un jour, vous avez tapé 11 canettes? 11, 12, 13, 14, 15, 16, je les compte, hein? 16, attends, 16. Tu sais pourquoi 16? Regarde, attends, fais voir, t'as combien de canettes de Red Bull là, fais voir. Voilà, déjà la première là, tu vois, regarde, même pas discret, tu vois, regarde, une là, c'est putain. Eh, vous avez bu 16 canettes en 24 heures? Y'a pas de Jawed! Il est pas là, Jawed! Il est où? Non, mais Kenny, non, mais c'est. Oh là, ça, regarde! En 24 heures, mais je m'en fous, moi! Ça, c'est dedans, mais Jeanne d'Arc. Et Jésus lui en met sur une branche. Astaghfirullah, yarbi, non. Vas-y, bref, vas-y. La menace! La menace! Allah, yarbi, anami. Yo les gens, salut à tous, et assalamu alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis enfin super content, mais vraiment super content de vous proposer enfin les nouveaux meubles que j'ai reçus aujourd'hui.
Ça commence à prendre forme, j'ai enfin mon petit salon que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai personnalisé vraiment à mon goût. Et puis voilà. Alors vous étiez nombreux. Kenny? Non, j'ai pas confiance. Putain, moi j'ai pas confiance, moi. Allez, dans la douche. Putain, la serviette lui aussi. C'est bon, tu peux sortir, hein, je t'ai vu. Hein. T'as même. C'est pas possible. Wesh. Tu vois pas qu'il est en dessous du lit, quoi. Tu vois pas que ça. Non. Mais wesh, je viens de l'entendre ici. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sors, créature, va, sors. Sors d'ici, sale créature. Attends. Mais tu fais quoi, là? Attends. Laisse-moi respirer, déjà. Là, t'es en train de me dire... Attends. Là, t'es en train de me dire, t'es en train de faire le ramadan, là. Là, aux yeux de Dieu, ça passe, là. Là, t'es en règle avec le Seigneur. T'es en règle. Mais pourquoi tu t'es caché dedans? Pour me préparer pour Koh-Lanta. Quoi? Pour me préparer pour Koh-Lanta. Comment ça, Koh-Lanta? Il est où le rapport avec le carton? Bah, pour me faire livrer. Attends, je te suis pas là. Comment ça, livrer? Bah, je vais me faire livrer sur une île. Pour faire Koh-Lanta. T'as pris quoi pour Ftar? Fais voir. Voilà. Donc là, aux yeux de Dieu, ça passe. C'est sûr, hein, c'est 100%. Oui. T'es en accord avec lui, tout va bien. Oh, Charles, là, c'est un truc de ouf, hein. C'est chaud, quand même. Moi, je sais plus quoi faire de toi, Kenny. Mais là, tu vas faire quoi dedans, là? Je vais vivre maintenant, là-dedans. De quoi? Je vais vivre là-dedans, maintenant. Tu vas vivre là-dedans? Pourquoi? Bah oui, c'est le salon. Ça, c'est le salon, ça. Là, l'autre côté du carton, ici, dans le coin, c'est les toilettes. Et je dors dans le canapé. Donc là, tu t'es créé ton propre studio, là, c'est ça? Hein? Mais là, j'ai un petit espace gaming room. Ok. Et là, ça, c'est ma couverture. Donc là, c'est que c'est ta couverture. D'accord. Mais tu peux pas faire comme tout le monde, prendre ta boîte. Regarde, tu vois, tu prends ta boîte. Regarde, c'est super simple. Tu prends ta bouteille, tu vas sur la table. Et non, tu. Moi, je veux vivre là. Je vis là, moi. Non. C'est pas ça. C'est une question. C'est. Bah, elle est là, ma table. Attends. C'est ça. Et voilà. Après, je vais le carton. Et je mange mon croissant, les mecs, t'attends pas, je fais comme ça, je fais. Et s'il pleut, je me cache en dessous. Putain. Quelqu'un qui veut rentrer dans mon salon? Tu veux rentrer dans mon salon? Non, mais attends, mais. Kenny. Non, s'il te plaît, regarde. Là, aux yeux de Dieu, t'es en règle. Ah, je t'aime beaucoup, je t'aime énormément, bordel. Moi, tu sais quoi, c'est trop, Kenny. Tu sais ce qu'on va faire? À partir de maintenant, tu fais plus le ramadan, d'accord? Non, moi, je continue. Tu continues le ramadan? C'est sûr. Parce que là, t'es en train de le faire. Oui, je le fais toujours. J'ai jamais arrêté, moi. T'as jamais arrêté? Non. D'accord. Putain. Mais je te jure, t'es un film d'horreur, mon gars, c'est un truc de malade. T'es un film d'horreur, t'arrives à te plier en quatre, regarde. Ah oh là là, Kenny. Ouais, bref, c'est pas grave. Donc là, ça y est, t'as fini le foutage, ça y est, c'est fini.
Ah, Adobillah. Yo les gens, salut à tous, y'a Salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo en personne où je tenais tout simplement à vous faire part un peu justement de la nouvelle en ce qui concerne la cuisine. Donc normalement, elle va arriver aujourd'hui, j'ai pas eu encore de nouvelles par rapport justement aux personnes qui doivent me la fournir, mais quoi qu'il arrive, dès que je l'ai, je vous tiens au jus pour que vous puissiez... Kenny ? Oh, j'ai pas confiance. Putain, j'ai pas confiance, il est où, lui? Oh, sort de la chambre, ça sert à rien, je sais pas, je change de technique, mon gars, c'est bon. Je... Oh non. Ah, d'accord, allez. Putain, mais... Oh! Oh, t'es où, là? Non... Mais non, mais non, mais non! Mais non, mais non, mais non, mais non! A'oudou billah min ash-shaytan ar-rajim! Astaghfirullah! Astaghfirullah ya rab! Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah! Astaghfirullah 20 fois! Ta colonne vertébrale qui ressort là! Tfou, sale créature, va! Toi, tu fais le ramadan, toi? Regarde-moi ça, regarde comment t'es plié! Tu fais de la plaie ou quoi? Na shaitan! Na shaitan! A'oudou billah min ash-shaytan ar-rajim! Na shaitan, khouya, na shaitan! Wa goul na shaitan, goul! Didi, na shaitan, khouya, na shaitan! Putain! Non, mais c'est chaud, c'est chaud! Tu fous quoi avec une compote sous l'eau? Attends, ça va être super simple. Là, t'es en train de faire le ramadan, là. Ah, double, je t'en ai ragé. Mais pourquoi tu manges sous l'eau? Parce que Dieu regarde pas les poissons. Parce que Dieu regarde pas les poissons. Ah, double, je t'en ai ragé. Toi, tu veux le ramadan, toi? Là, le fait d'être sous l'eau, Dieu, il t'a pas vu. Dieu, il t'a pas vu, là. Là, c'est sûr, là. Là, t'es en règle avec le... Là, t'es en règle avec le Seigneur. C'est quoi ce spécimen? Regarde ton corps, comment il se plie. Moi, je fais ça, ma colonne vertébrale, elle se casse. Astaghfirullah ya rab. Pourquoi il y a de la chantilly dans ma compote? Pourquoi il y a de la chantilly? Mais c'est de la mousse! Là, depuis tout à l'heure, t'as avalé de la mousse! Putain, mais c'est pas possible! Regarde ta tête, là! Tu ressembles à rien! Putain. Là, t'es en règle, là! C'est sûr, hein! Toi, c'est sûr, ta place, elle est au paradis! C'est sûr et certain! Ah non, bazar le calcroyant, moi je sais plus quoi faire. Les gens ils mangent sur une table, ils mangent en famille, ils mangent au pire sur une table basse. Pourquoi? Tu veux que je te fasse une place pour manger? De quoi? Tu veux que je te fasse une place pour manger? Une place? Ah non, merci Khay. Je t'ai prévu une compote. Une compote? Kenny, tu peux pas te dire au plus profond toi, même si je me cache dans un fin fond de grotte, Dieu me verra pas. Il te voit. Mais là je mange proprement. Putain, mais bon. Là tu manges proprement. T'as mangé ta compote avec de la mousse et tu manges proprement. Comme ça ma compote elle est propre. Comme ça elle est lavée. Attends, fais voir, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi ce... Vas-y, c'est gênant. Mais c'est quoi ce corps? Là, comme ça, t'es en train de faire le ramadan, là. C'est sûr, hein? T'es en règle avec le Seigneur. T'as mon gars, quand t'es sorti de l'autre, j'ai l'impression d'avoir les... Tu sais, les grands monstres à pattes géantes, là. Monstre et compagnie. Mais c'est chaud, quand même.
Mais ta tête, c'est incroyable. Regarde, regarde ta tête, regarde. Vas-y, moi, je... Va. Ah, t'es dégueulasse! Vas-y, ah, je me bats. Ah, ou de bleu, mon chétan en régime. Ah, ou de bleu. Ah, ou de bleu. Ah, ou de bleu. Ah, ou de bleu, mon chétan en régime. Ah, ou de bleu. Ah, ou de bleu, chérie. Yo les gens, salut à tous, assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo justement où je voulais vous parler de quelque chose. Parce que normalement aujourd'hui, il y aurait dû avoir les techniciens qui arrivent à la maison. Mais malheureusement, ils sont pas venus. Pourquoi, je sais pas. J'ai pas eu de nouvelles encore une fois. Donc voilà. Donc moi j'ai essayé d'appeler pour savoir où ce que ça en est justement par rapport à mes meubles, etc. Pour qu'ils me le montent, etc. Et au final, j'ai vraiment eu aucune nouvelle. Alors là, ce que je vais faire, c'est que bah je vais me démerder tout seul. Kenny, j'ai pas confiance. Où est-ce qu'il est? Oh! Putain, allez, dans la douche, comme par hasard, allez. Même pas. C'est impossible, ça. Putain. Oh! Oh! Non, dis-moi pas qui, non, non, Yarab, non, non, s'il te plaît. Ah ouf, j'ai eu peur. Nachetan. 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 Nachetan, 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 putain. Astaghfirullah! Nachetan! Tu fais quoi là? Rien. Tu fais rien là? Nachetan, Nachetan! Attends, putain! Attends, non, tu sais, je vais te la poser comme d'habitude. Là, t'es en train de faire le ramadan. Putain! Là, regarde! Attends, mais je te jure, mais attends, regarde, je vais te les ouvrir. Oh putain, j'ai failli me manger. Attends, tu vois. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible, j'en ai vu des deux. Il fait jour. Il fait jour. Putain. Là, maintenant, là, à l'heure où je te parle. Là, t'es en train de faire le ramadan. Mais hey, je te jure, on dirait... Putain, je sais pas, on dirait quoi. Blum. Mais qu'est-ce qu'il prend caché dans tes cachettes comme ça, là? Tu manges quoi, d'ailleurs, là? Fais voir. Des pompotes. Là, tu manges des pompotes, là. Ça, c'est avec ça que tu casses ton ftour. Ah, au double, moi, qu'est-ce que... Moi, j'ai plus de pouvoir, moi, ça y est, moi, je peux plus rien faire pour toi, Kenya. Je peux vraiment plus rien faire. On fait quoi? On s'était mis d'accord au début du ramadan. Mmh. On s'était mis d'accord, on s'est dit, ouais, voilà, pour faire le ramadan, faut que t'ailles jusqu'au bout. C'est quoi, même si tu peux pas faire jusqu'au bout, au moins, tu sais, tu fais un petit 10 heures, juste pour voir. Je l'ai fait. Là, t'es en train de le faire, là. Là, aux yeux de Dieu, t'es en train de le faire. Ah, au début de la ménage, pas dans la régime. Ah, au début de la... Comment t'es rentré dedans? Comment t'as fait? Ça veut dire que t'es monté sur mon lit? T'as escaladé? Putain. L'autre fois c'était la douche. Putain. Toi t'auras des enfants toi? Ah double. Putain. Moi je peux plus des mecs comme toi, moi Kenny, moi ça suffit. Moi. Non, c'est bon. Putain. Vas-y, reste là, c'est bien. Tu sais quoi, reste bien là. Ça fait combien? Il m'a dit, on regarde sous la gourde.
Madame, et monsieur et madame Cover ont un fils, comment s'appelle-t-il? Alors? Je sais pas. Harry. Harry Cover. Ah, double, allez, toi. Oh, con, putain. Attends, je te lis un deuxième. Vas-y. Ah, mais y'a pas de blague. Sérieux? Il est... Putain. Ouais, vas-y, putain, t'es... T'as de la chance que t'es gentil, quand même. Allez, ça haftorek, hein. Mange bien. Ça haftorek. Putain. Au moins, tu sais, mange comme tout le monde sur le salon, sur la table. Non, là, t'es bien, là. Là, aux yeux de Dieu, t'es en règle. Ok, bon, allez, ça suffit. Yo les gens, salut à tous, et assalamu alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo en personne, où je vais tout simplement à répondre à la question que vous me posez très souvent, pourquoi Kenny, il a raté son ramadan. Alors ça, j'en sais rien du tout, moi je suis pas dans sa tête, pourtant, on va faire un petit, entre guillemets, un petit pari, etc. On s'est dit, tiens, allez, tu sais quoi, au moins essaye de tenir une semaine, mais voilà, il a pas tenu, etc. Pour quelle raison, comme j'ai pu le dire quelques instants, j'en sais rien du tout. Et puis voilà. Mais une chose est sûre, c'est que pour ce deuxième jour de ramadan, là c'est sûr qu'il va le faire à 100%. Il n'y a pas à dire, il me l'a juré, il m'a tapoté les mains, il m'a dit t'es qu'à Jawed, t'inquiète, le deuxième jour je vais le faire. Le premier jour j'avais vraiment trop trop faim. Et. Ouais, tu m'as appelé? Deux secondes. Putain, mais qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Cache pas, hein. Putain, mais c'est dur. Ah. Tu fais quoi là? Waouh, mais Kenny. Mais pourquoi tu fais des trucs comme ça, là? Mais c'est dégueulasse, regarde comment tu manges! Là, t'es en train de faire le ramadan, là. Ouais. Astaghfirullah! J'ai foi. Mais Kenny, attends, je comprends pas. T'avais dit qu'on allait faire, deux petits jours, une petite semaine. Bon, la première fois, tu l'as loupé. Tu me dis que la deuxième fois, t'allais te rattraper. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Pourquoi t'as faim comme ça, là? D'habitude, Satan, il vient pas deux jours d'affilée. Non, mais là, je te parle sérieux, Kenny. Bah, c'est vrai, wesh. Non, je rigole. Ah ouais, mais là, tu m'aurais fait peur, là. Mais vas-y, pas de panique. Faut pas avoir peur. Pas de panique à bord. Ici c'est les rats qui font le show. Pas de panique à bord. C'est les rats qui sont là pour ça. Yo 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 yo. Non mais Kenny, t'abuses. Mais déjà, Kenny, regarde, comme je t'ai dit. Do ré mi fa sol la si do. Kenny, je suis rien à faire. Attends, j'ai envie d'éternuer. Oshoya! 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 C'est pas possible. Attends, moi j'ai vraiment soif. Mais la tête dehors, mais t'es un goul. Mais Kenny, regarde, écoute. D'accord. Que tu fasses pas le ramadan, c'est une. Non. Que tu fasses pas le ramadan, c'est une chose. Mais pourquoi tu manges dans des conditions comme ça? Y a pas une table? Non. Y a pas le bureau? Mais dans le bas, je suis mieux, wesh. Y a qu'en live que je mange avec tout le monde. T'aimes bien manger dans des conditions comme ça? Alhamdulillah. Putain. Pardon.
Quoi? Ils font manger là? Casse-toi. Au début de la manège, t'en as dragé. Non, mais en vrai, je recommence demain. Demain? Parce que là, aujourd'hui, j'y arrivais pas. Donc demain, tu le fais sûr. 100%. 100%. Tu le rates pas demain? Non. J'ai ta parole? Ouais. Allez, check. Attends, je me suis les mains. Putain. C'est bon. J'ai mal au ventre ce soir. Du coup, j'ai mangé. C'est chaud, la tête d'homme, c'est chaud. Quand t'as la chasse, tu mets ça pour pas que ça déborde dans ton cul. Au pire, je peux toujours me curer. Vas-y, mon frère, je vais te laisser la tête d'homme, vas-y, tu sais quoi, vas-y. Rien, t'as mis des serviettes partout, mon frère, t'as cru que c'est... Et encore, vous avez rien vu. Ah, oh, on t'en voit, je te vois. C'est vrai? Ben oui, putain. Demain, donc, c'est sûr, tu le fais? Ouais. Allez, sahaf torek. Sahaf torek. Pense, 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 pense